la réalisation de ces projets, de ces journées au quotidien. Quand tu crées des choses dans tes journées, eh bien, au plus tu vas réaliser des choses, au plus tu vois aussi tes journées de manière concrète. Cela veut dire que le matin, quand tu te lèves, si tu te crées un plan d'action le soir avant d'aller au lit pour le lendemain, et le matin, quand tu te lèves, en lisant ce plan d'action et en visualisant comment ta journée va se dérouler étape par étape, ça va aller beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En effet, la visualisation, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement finalement utile. Je ne sais pas si tu as été joueur sportif professionnel, mais si c'était ton cas, eh bien, tu connais aussi certainement la visualisation parce que les coachs sportifs professionnels des équipes pour les équipes olympiques et autres, eh bien, ils utilisent la visualisation et pour eux, c'est même d'ailleurs encore plus important que l'entraînement. Du moins, c'est tout aussi important que l'entraînement, la visualisation et évidemment les exercices mentaux. Alors oui, quand tu te lèves le matin, finalement, essaie de, n'essaie pas parce que finalement le mot ici est voué à l'échec. C'est un peu, imagine, tu rentres dans un avion et le pilote de l'avion, avant de décoller, il dit, Ladies and gentlemen, today, donc aujourd'hui, je vais essayer d'atterrir à Costa Rica. Eh bien, tout le monde serait bleu de peur, tout le monde aurait peur. Parce que essayer, eh bien, ça veut dire qu'il y a une possibilité à échouer. Et en disant essayer à ton cerveau, tu renvoies à ton inconscient que tu te donnes l'autorisation d'échouer. Et toi, tu ne veux pas faire cela. Je te conseille vraiment de te dire, d'accord, le matin, donc le soir, tu te fais ton plan d'action des choses que tu veux réaliser pour le lendemain. Évidemment, ne mets pas trop de choses, mais simplement le strict minimum. Et le matin, quand tu te lèves, visualise, ou la lumière s'est éteinte, visualise toutes les choses que tu veux réaliser durant ta journée, que tu as mis sur ton plan d'action, et imagine-toi avec la satisfaction d'avoir terminé ces choses. Donc toi, avec ton visage vraiment heureux et épanoui, et la satisfaction d'avoir terminé cela, d'avoir terminé ces choses que tu t'étais promis de réaliser. En faisant cela, en ayant cette satisfaction de visualisation et en te donnant aussi une récompense, c'est-à-dire après les choses que j'ai mises sur ma liste de choses à faire, eh bien, je me donne une récompense. Par exemple, je m'achète quelque chose que je voulais m'acheter. Ça ne doit pas être quelque chose de cher, ou bien simplement, je m'autorise à faire une balade, à faire une randonnée au Mont Blanc, si j'habite pas très loin du Mont Blanc, ou bien au Mont Fuji, si j'habite à Tokyo, pas très loin de là, ou bien peut-être au Mont Plymouth, ou un volcan ou autre. Ça peut même être gratuit, comme les randonnées, comme je viens de te le dire, mais de te donner quelque chose, une récompense que tu apprécies, que tu aimes bien. Même un bain, ça peut être prendre un bain, aller à un spa ou toute autre chose. Et en pratiquant tes journées de cette manière, tu vas vraiment avoir l'envie de faire tes tâches. Tu vas vraiment avoir l'envie d'abattre finalement cette liste de tâches. Et en étant régulier, ça veut dire en faisant cela tous les jours, chaque jour, après un an par exemple, c'est-à-dire après 365 fois, tu auras fait une montagne infinie de choses et tu seras tellement fier de toi, tu seras tellement satisfait, tu auras la satisfaction et au plus tu fais des choses, au plus ça sera simple. Au plus tu accomplis des choses, au plus vite tu iras. Ça aura un effet cumulé. Ça aura un effet, eh bien, oui, cumulé. On appelle cela en anglais le compound effect. Donc, c'est l'effet qui est accumulé. Après avoir fait toutes les choses, c'est accumulé, c'est un peu comme on appelle ça en finance, on appelle
je me souviens plus, tu sais, quand tu investis, si tu investis 8%, mettons, si tu as un taux d'investissement de 8% de positif, c'est-à-dire tous les ans, ce que tu as mis peut-être en investissement augmente de 8%, eh bien, tous les ans, ça va augmenter de plus en plus. Ça s'appelle, je vais regarder sur mon téléphone, comme ça, tu seras, bah, si ça t'intéresse, tu connais certainement le terme, moi aussi d'ailleurs, mais parfois, ça m'échappe. Comment ça, j'ai plein de notes, figure-toi, mais j'essaie de rechercher la note particulière. Laisse-moi donner, manquer. C'est quelque part sur mes notes. Allons voir comment organiser. J'ai des notes de business. J'ai des notes sur les livres que je vous conseille. Pourquoi investir? Non, ça c'est autre chose. En effet, la méthode d'investissement, non. Stage, investissement. Bon, tu peux mettre au speed x2. D'ailleurs, je te conseille aussi que tu regardes des vidéos, de mettre toutes les vidéos que tu visionnes en rapidité. Ça veut dire que tu augmentes de rapidité et ainsi ça sera beaucoup plus rapide. Chiffre donné au hasard, c'est toujours pas ça. Investir, tiens, c'est amusant, c'est quelque part. Progression, effet cumulé, où ça pourrait être? Les efforts, vous allez recevoir un objectif, négocier, rencontrer, évoquer. Eh bien, je ne trouve pas cela. Investissement. Ce n'est toujours pas cela. Tu as d'ailleurs des portfolios aussi. Tu as le Butterfly Portfolio qui est pas mal si ça t'intéresse. Ah voilà, finalement. Donc c'est les intérêts composés. Oui, donc composés, cumulés, composés, les intérêts composés. Au plus tu investis, au mieux c'est. Parce que après tu as un intérêt composé. Eh bien, toi c'est exactement pareil pour tes habitudes, pour les choses que tu réalises. Après un an, ce sera beaucoup plus simple parce que ça aura un effet composé. Alors voilà, je te souhaite tout le meilleur. Je t'ai aussi concocté des ateliers pour aller beaucoup plus loin qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Ciao.